Libertin, vous allez venir là-bas. Ces gars, ces protections métacarpiennes sont moins lumineuses que les gars de boxe moderne et la zone de frappe étant partout, il ne peut pas garder les points permis. Il doit les charmer pour tenir l'adversaire à distance. Mais là, malheureusement, l'adversaire se trouve plus loin, il va donc falloir avancer vers lui, gagner de la distance et donc, en avançant, se protéger de façon particulière pour pouvoir enchaîner les coups. D'ailleurs, ces mouvements. Faut dire à Virgile dans le ligue, en parlant des boxeurs, leurs poings passent et repassent, ils s'en relâchent autour de leur tête et de leurs oreilles, parce que leurs mains vont s'armer sur l'arrière. Attention, c'est là qu'on voit toute l'importance de l'expérimentation, parce que si je vous dis simplement le texte, leurs mains passent et repassent, s'en relâchent autour de leur tête et de leurs oreilles, vous pourriez mésinterpréter et faire comme cette historienne française est célèbre, au point qu'elle passe à la télévision, et qui a dit en parlant de cette phrase, Virgile nous place là, devant une forme nouvelle de boxe peut-être, où les boxeurs se regardent méchamment, et leurs poings passent et repassent en relâche autour de leurs tempes et de leurs oreilles, se frottent les oreilles, une fois bien énervés, se mettent un coup de poing à la pointe du menton. Elle n'a pas dû souvent voir de match de boxe. D'accord? Donc quand on ne fait pas l'expérimentation, quand on ne regarde pas correctement sur l'iconographie, on ne teste pas correctement ces mouvements, on peut se tromper sur certains textes ou certains documents archéologiques. L'archéologie expérimentale, ça sert à ça. On va faire le petit combat, et si je suis encore en mesure de vous parler après, je vous présenterai le troisième sport de combat, le pancrace. Lui, il ne connaît pas, donc du coup, lui, il ne connaît pas.
esprit de karaté, tu veux maintenant.